Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment mettre votre iPhone, votre iPod ou votre iPad en mode recovery. Ça marche pour tous les iPhones, tous les iPods et tous les iPads à n'importe quel firmware. Donc là je suis accompagné de mon iPhone 3GS et je vais donc vous faire voir pour les débutants ou ceux qui ne savent pas mettre leur iPhone en mode recovery comment le mettre. Donc premièrement, on va aller sur notre ordinateur et on va ouvrir iTunes. Donc iTunes à la limite c'est et même pas nécessaire, on peut tout simplement le faire avec le téléphone. On va tout simplement presser le bouton, le home bouton qui est le bouton rond qui se trouve ici et le power bouton qui est celui-ci. Et on va tout simplement les presser jusqu'à temps que l'iPhone se rallume et à l'apparition de la pomme on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc je vous fais voir ça tout de suite. 1. Oui, donc on n'a pas besoin de compter parce que c'est faut juste attendre que la pomme réapparaisse. Et voilà, là on relâche le bouton du haut et on va voir que mon iPhone va rentrer en mode recovery. Donc c'était pour vous faire voir comment mettre votre iPhone en mode de récupération qui est donc le mode recovery. Donc là j'ai dû rater. Donc vous appuyez bien sur les deux boutons en même temps. Voilà, et quand la pomme réapparaît, vous relâchez le bouton du haut. Voilà, directement. Alors, si ça ne fonctionne pas, on peut voir que ça ne fonctionne pas. On va brancher notre iPhone sur iTunes et on va recommencer la manipulation. Voilà, on attend que la pomme réapparaisse. Je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas et normalement je devrais entrer en mode recovery. Et voilà, je suis maintenant en mode recovery. Donc si ça ne fonctionne pas, il faut brancher votre iPhone, votre iPod ou votre iPad sur iTunes avec le câble USB de connecter sur votre ordinateur. Donc voilà, là vous êtes en mode recovery. Donc ça c'est pour les personnes qui ont des problèmes avec leur iPhone et qui ne peuvent pas le restaurer. Le mode recovery est une solution. Et donc là, il vous dit maintenant, iTunes a détecté un iPhone en mode de récupération. Vous devez le restaurer pour pouvoir l'utiliser avec iTunes. Si vous avez mis votre iPhone dans ce mode-là, que vous voulez l'en sortir, vous pouvez utiliser le logiciel Tiny Umbrella. Donc vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo. Et je vais vous faire voir comment sortir votre iPhone du mode recovery avec le logiciel Tiny Umbrella. Donc Tiny Umbrella, le logiciel se présente comme ceci. On va tout simplement aller dans notre iPhone qui se trouve ici et on va cliquer sur Exit Recovery tout simplement et là on voit que l'iPhone va redémarrer normalement et il va se rallumer. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment mettre votre iPhone en mode recovery, en mode de récupération de manière à le restaurer avec iTunes si vous avez des petits soucis. À bientôt pour une prochaine vidéo.